Coris Bank International a remis un chèque de 100 millions de francs CFA au ministère des Sports hier à Ouagadougou. Ce don est destiné à soutenir les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 qui se déroulera en Côte d'Ivoire. Ce don de Coris Bank International est une contribution importante au succès de la CAN et pour les étalons. Il montre que le secteur privé burkinabé est mobilisé pour soutenir la réussite de cet événement majeur. Alain Didier Compaoré. Coris Bank International vient au secours du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. En quête de financement pour la CAN en Côte d'Ivoire, l'appel du comité national d'organisation est tombé dans l'oreille de Coris Bank International qui répond par un chèque de 100 millions de francs CFA. La CAN, c'est un facteur de rassemblement des nations. Et le groupe Coris, à travers sa fondation Coris, a fait le geste de soutenir avec l'enveloppe de 100 millions de francs CFA. Un geste reçu avec soulagement du côté du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, qui du reste en appelle à d'autres structures citoyennes. Pour que les étalons puissent faire une belle compétition, il faut mobiliser des moyens pour les mettre dans les meilleures conditions possibles. Le gouvernement fait déjà des efforts et là nous avons fait assez de bonnes qualités. Et c'est dans ce cadre-là, avec le leadership du président Massa, qui est aussi le président du Conseil national des entrepreneurs, et qui a fait le plaidoyer, et Coris Bank, à travers Mme la directrice, est venue ce soir nous soutenir avec ses chèques de 100 millions. Ce chèque va contribuer à prendre en charge les dépenses afférentes à la préparation et à la participation, et nous faisons cet appel à d'autres structures. Tout en souhaitant une bonne chevauchée aux étalons, la donatrice justifie ici le bien fondé de son geste. Dans le cadre de notre responsabilité sociétale que nous avons décidé avec l'orientation de notre président de groupe, M. Idrissa Nassa, sur le patriotisme de cette banque, de pouvoir faire un geste pour soutenir les efforts du ministère de l'emploi, de la jeunesse et des sports, et soutenir principalement cette activité de la CAN 2024 qui nécessite énormément de moyens dans les préparatifs, énormément de moyens sur le terrain et avec le bon espoir que nous nourrissons que les étalons reviendront avec la coupe. Revenir avec la coupe, c'est l'espoir de tout un peuple et cela passe également par la mobilisation financière.